Communément appelé le crowdfunding, qui cherche à susciter une collectivité de personnes qui savent s'entraider en communauté pour pouvoir rendre viables les projets dans la société et surtout encourager la jeunesse congolaise à suivre le chemin de l'entrepreneuriat. Bon, Makalabio n'est pas forcément notre projet, mais c'est un projet qu'on soutient dans cette optique de soutenir les entreprises congolaises ayant récemment intégré son capital. Et comme je l'ai dit, il y a d'autres projets qu'on attend et on encourage tout jeune porteur de projet à fort potentiel de pouvoir nous rejoindre à cette aventure. Merci.
Dallo, directeur général de la société Open Rest Corporation, qui est une plateforme de crowdfunding, une nouvelle plateforme. Je crois que vous connaissez tous les crowdfunding qu'on vient d'expliquer ici. Les crowdfunding, littéralement, traduit en financement par la foule. Donc, on met en relation le porteur de projet et le potentiel investisseur. Donc, c'est en gros ce que fait notre plateforme Open Invest Corporation. Yves est venu pour aider, en fait, les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas accès aux moyens de financement. Alors, nous, OPO, on vient intervenir et trouver cette solution-là pour ces jeunes entrepreneurs-là, avec notre plateforme de crowdfunding, un nouveau système de financement en ligne. Open Invest Corporation a deux services. Nous avons le crowdfunding qualitatif et le petit crowdfunding. Alors, les petits crowdfunding, c'est lorsque les investisseurs prennent des actions dans l'entreprise, donc l'investissement en capital. Donc, le porteur de projet libère des actions de son entreprise en échange de pourcentages. Donc, l'actionnaire a droit à des dividendes après le financement. Les crowdfunding qualitatifs, c'est sous forme de dons. Là, on a des ONG et des ASBL qui viennent soumettre le projet et nous, on leur permet de faire une campagne en ligne à travers notre plateforme et des gens financent sous forme de dons. Et c'est sans qu'on fait partie financière. Donc, merci. On aide les gens parce que les crowdfunding, ce n'est pas une solution nouveau, comme je l'ai dit dans le panel. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est une façon de travailler qu'on sait que dans notre histoire, ça a été toujours important. Le crowdfunding demande une solidarité entre les personnes. Alors, nous, on est une interface, une intermédiaire qui permet aux gens de lever les fonds. Ils ont besoin de faire ça. Et quand il fait ça, ça doit avoir un impact économique dans le Congo. Alors, on doit le faire pour permettre à tout le monde d'investir au pays, mais aussi permettre aux jeunes qui ont toujours eu des challenges à lever les fonds à faire ça exactement. Il faut oser, parce que en réalité, il y a toujours une première personne qui fait quelque chose. En anglais, on dit « the first ». Mais on n'a pas besoin d'attendre ça. On a une plateforme, vous voulez lever les fonds, prenez une bonne stratégie. Et la plateforme, c'est de créer pour aider les gens. Ce n'est pas pour être quelque chose qui doit être mis à côté. C'est quelque chose qu'on doit utiliser. Et on doit oser essayer de lever 5 000, 10 000, 15 000, jusqu'à quand on aura cette éducation entre nous. Et moi aussi, je vous dis, la jeunesse aussi doit investir. Si vous êtes une groupe d'amis, que vous êtes ensemble, vous mettez chacun 100 dollars, vous avez combien? 10 000 dollars. Alors, partagez, mais aussi, il faut soutenir d'autres structures, à lever les fonds. C'était enrichissant en fait, avec des acteurs de fintech et du digital. Alors du coup, c'était de mettre en lumière cette nouvelle vague de technologie que beaucoup ne comprennent pas. C'est quoi une fintech? Aujourd'hui, je pense qu'ils ont eu à avoir de réponses. Une fintech, c'est une solution qui vient pallier à des problèmes de l'éclosion financière et ainsi qu'à la digitalisation du côté de finance. Et voilà. Il y a encore beaucoup de secteurs dans la finance au Congo à développer et je pense que l'avenir va vraiment nous sourire autour de ça. Je vois aussi, vous avez parlé aussi des Maisha Pay. C'est quoi Maisha Pay? En fait, Maisha Pay, c'est une technologie innovante, c'est une solution de paiement et de transfert d'argent. C'est une application mobile qui vous permet de pouvoir transférer de l'argent à l'étranger ainsi que effectuer des paiements partout dans le monde entier. Et ici en Afrique, il est basé dans la plupart des pays en Afrique, ici aussi au Congo et au Congo-Brazzaville, vous pouvez envoyer de l'argent avec votre M-Pesa directement à l'étranger. Chose qui ne se faisait pas encore. Vous pouvez recevoir de l'argent à partir de Dubaï ou à partir de Londres
et vous le recevez directement via votre mobile money. Mais quelles sont les procédures? Les procédures, c'est très simple. Vous allez soit sur le site maishapay.net ou soit vous allez sur les canaux de distribution comme Google Play, comme App Store, comme Amazon Store pour le télécharger. Merci. Merci. Tiens, Garcin, je suis un entrepreneur, je suis chef d'entreprise et je suis dans la FinTech. Alors moi, j'étais candidat au Africa FinTech Forum et j'ai présenté une solution qui s'appelle NeoZita qui permet aux petits commerçants d'épargner et d'obtenir des prêts pour développer leur entreprise. En fait, déjà, c'est souvent la jeunesse qui développe les solutions. Et en plus, les bénéficiaires de nos solutions, c'est encore très souvent la jeunesse. Parce que par exemple, c'est vrai que le petit commerce, c'est ouvert à tout le monde. Mais surtout pour la jeunesse en Afrique, c'est difficile d'avoir un financement pour faire une activité quelconque. Alors, si nous pouvons aider les gens à commencer, ou alors les gens qui ont déjà commencé, même à petite échelle, à grandir, comme le ministre disait, on veut commencer aujourd'hui avec un petit capital, grâce aux prêts que nous octroyons, vous retrouvez avec un grand capital et passez du stade de petit commerçant à homme d'affaires, comme dans le cas de l'exemple du Quado, qui commence avec juste son petit stand, et après quelques années, s'il est bien suivi, parce que nous ne faisons pas juste donner de l'argent, nous donnons aussi un accompagnement. Alors, il se retrouve quelques années après avec un garage propre, professionnel, et avec notre guidance, faire des choses comme dans les pays développés. C'est surtout ça. Ceux qui n'ont pas même.